Bonjour les amis, bonjour, c'est Jerry. Bon bah là vous êtes en train de vous demander, vous avez vu le titre de la vidéo et vous êtes dit mais qu'est-ce qui branle Laurent de Chamaïde? Vraiment, qu'est-ce qui branle là? C'est pas là qu'on reste Vipelière. Bah non, c'est vrai. Parce qu'en fait voilà, bon le titre de la vidéo a tout dit, j'ai trompé Vipelière Shiny. Voilà qui est là. Donc un petit Vipelière Shiny. Donc, qui est juste magnifique, hein, bien évidemment. Ce Shiny est une pure tuerie. Bon, là on peut voir, voilà, rencontrer niveau 5 à Pavonnet. Donc, c'est bien celui-ci, hein, c'est bien celui de l'aventure. C'est pas un œuf ou quoi que ce soit. Hein. Mais alors, mais pourquoi je fais cette vidéo au rang de Chamaïde? Bah, en fait, c'est tout simple. J'ai trouvé ce Shiny, j'étais dans le train. J'étais là, je revenais de week-end et tout, j'étais content, je faisais ma vie. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai pour 6 heures de train, je vais chasser un petit peu. Et du coup, j'ai sorti ma console, j'ai chassé Vipelière. Et à ma grande surprise, bah, il est tombé dans le train. Bon, le truc, c'est que vas-y, pour faire une vidéo de Shiny dans le train, c'est un petit peu la galère. Donc en gros, bah, là, en fait, je fais cette vidéo à froid, quelques heures après avoir eu le Vipelière. Tout simplement. Donc ma réaction, bah, j'ai pas vraiment pu avoir de réaction à proprement parler dans le train. Bon, il faut quand même pas trop s'afficher. Mais au fond, eh ben, je pense que vraiment ce qui m'a le plus choqué, c'est bordel de merde, qu'est-ce qui change? C'est un délire. Pour moi, il y avait juste une petite, voilà, il était un petit peu bleu turquoise, mais c'était pas non plus flagrant. Mais quand je l'ai vu popper sur mon écran et de surcroît sur DS Lite, qui est un super écran, je me suis dit, mais en fait, il est carrément bleu ce foutu Shiny. Il est putain de bleu, il m'a sauté aux yeux comme c'est pas permis. Et forcément, vu le chiffre, bon, ça fait un petit bout de temps que je me le trimballe. D'autant plus que ben, ça veut dire que je vais pouvoir enfin commencer un Shiny Quest découverte parce que j'ai jamais fait Noir 2 Blanche 2. Donc en gros, là, il y a le Rei Blaziken Shiro qui m'a écrit un petit SQ découverte surprise que je connais absolument pas, dont le starter était Vipelière. Et ben, il m'a dit, ben, tu sais quoi, ta prochaine étape, c'est le rang de Chamaïde. Du coup, je vais au rang de Chamaïde, je vois quoi, il y a quoi dans la zone, il y a des Riolus. Ou Riolus. Je sais pas comment vous le dites, mais je m'en bats les couilles. Donc, il y a des Riolus. Il y a des Riolus, il y a des Ponchios, il y a des Azurill, enfin, il y a vraiment pas mal de bons Pokémon. Intéressant. Alors, même si on est en 5G, là, pour le coup, il y a des bons Pokémon de Old Gen qui sont intéressants à chasser. Dont voilà Riolu qui est Riolu hein, qui est ma cible principale sur le rang de Chamaïde. Mais je vais quand même faire péter les étoiles de Vipelière parce qu'il faut pas déconner. Il y a aussi des Ponchios. Ponchios, ça me dérangerait pas en vrai. J'en ai pas encore. C'est pas un Pokémon que voilà. J'aime bien Ponchios. J'aime bien Mastouf surtout. Voilà, le petit Vipelière Shiny. Voilà. Il est juste beaucoup trop beau. Ce Shiny est une pure tuerie. Donc voilà, le Shiny Quest, bon bah là du coup j'ai le rang de Chamaïde à faire. Mais bon, on est bien sur la vidéo de Vipelière. Donc ben, je referai une vidéo dès que j'aurai trouvé un Shiny dessus, hein, genre un Riolu. Ce serait vraiment bien. Mais voilà, c'était vraiment la petite vidéo réaction à froid, parce que bon, il faut bien que ça figure quand même sur la chaîne, ce serait dommage de s'en priver. Déjà que j'ai mon Shiny Quest TP qui ne figure pas sur la chaîne, c'est bien dommage. Donc, je vais pas me priver du Shiny Quest Blanche 2. Donc voilà, comme ça figure. C'est pas la meilleure vidéo, clairement. Je la fais un petit peu en improvisé, mais voilà. J'ai eu le temps de monter le petit Vipelière level 13, le temps de faire l'aventure. Et on espère que ben, on va trouver une cible intéressante. Donc, ouais, Riolu ou Ponchio. Ponchio, vraiment, il m'irait bien. Hein. J'aime beaucoup ce Pokémon. Après, bon, il y a vraiment peu de gros indésirables. Il y a Poichigeon, il est à 5%. Donc, ça va. Je pense que je devrais arriver à l'esquiver. Watwat m'embêterait un petit peu puisque je l'ai déjà sur Soul Silver. Mais ce serait pas un drame s'il tombait. Ça me ferait un Pokémon électrique pour l'aventure. Azuril, bah, ça peut donner un Azumarill, hein, qui a un Pokémon haut, donc toujours très pratique à avoir. Et après, bon bah le reste, ça va être. Je me rappelle plus exactement ce qu'il y a, mais
Il y a vraiment un truc sympa. Il y a Psycho Quack qui m'emmerderait. Psycho Quack, pour le coup, ce serait un gros indésirable de la zone. Parce que j'ai déjà deux Aqua Quack, hein. Un sur Soleil et un sur Soul Silver. Donc je vais me passer d'un troisième Aqua Quack, hein, ça ira, merci. Donc là-dessus, je vais vous laisser donc sur cette magnifique image de Vipelier Shiny. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Shiny. Et merci à ceux qui continuent à suivre et bonne chance à vous. Allez, à la prochaine.